Mon instinct musical se réveille. Oui, je l'entends. Quelle est donc cette faculté singulière qui substitue ainsi l'imagination à la réalité? Quel est cet orchestre idéal qui chante en dedans de moi? Une instrumentation sourde, une harmonie large et sinistre, une lugubre mélodie, un chœur en unisson et octave, semblable à une grande voix exhalant une plainte menaçante pendant la mystérieuse solennité de la nuit. S'il vous plaît. Non, laissez la place pour le piano. Ici. Vous ne comprenez donc pas qu'ainsi tourné, les pianistes ne verront pas le chef d'orchestre encore plus à droite. Bien. Nous allons essayer ma fantaisie sur la tempête de Shakespeare. Regardez le plus souvent possible les mouvements de votre chef. C'est le seul moyen d'obtenir cet ensemble nerveux, carré, compact, si rare même dans les meilleurs orchestres. Les chanteurs ne doivent pas tenir leur cahier de musique devant leur visage. Ne voyez-vous pas que la transmission de la voix est ainsi plus ou moins interceptée? N'exagérez pas les nuances. Ne confondez pas le mezzo forte avec le fortissimo. Pour le style mélodique et l'expression, je n'ai rien à vous dire. Mes avis seraient inutiles à ceux qui en ont le sentiment, plus inutiles encore à ceux qui ne l'ont pas. Encore un mot. Vous, messieurs, qui occupez les derniers gradins de l'estrade, tenez-vous en garde contre votre tendance à retarder. Votre éloignement du chef rend cette tendance encore plus dangereuse. Les quatre premiers violons et les quatre seconds violons soli ont des sourdines. Bien, tout est en ordre. Commencez. Encore?
encore et pour toujours.